Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on débriefe la superbe victoire au score 4-1 du Sporting face à Angoulême. Et nous sommes trois, Jérôme, Manu et moi. On va essayer de débriefer ce match. Bon, moi, je vais être tout à fait honnête. J'étais au RCT, donc je ne suis pas allé voir le Sporting, mais je regardais un petit peu de temps en temps sur YouTube. Donc, je vais plutôt laisser mes acolytes me faire rêver, me faire parler de cette rencontre avec 4 buts et encore un énième, entre autres, de Diallo. Mais je voulais vous poser tout un tas de questions par rapport à cette rencontre, mais avant ça, Jérôme, ton point de vue sur cette rencontre, sur ce match, où tu m'as dit ne pas être 100% satisfait, oui, malgré la victoire. Oui, c'est sûr. Non, mais après, moi, depuis le début de la saison, par rapport à cette équipe, je suis plutôt optimiste, parce que j'ai toujours dit que, pour moi, c'était largement supérieur aux saisons précédentes, au niveau technique, dans le jeu, etc. Mais par contre, c'est vrai que quand on voit la première mi-temps d'hier, où ça joue bien, le truc, c'est que c'est quasiment un ADN. Aujourd'hui, ça joue bien, mais le problème, c'est que tu n'as pas d'occasion, quoi. La première mi-temps, moi, c'est vrai que c'est compliqué de dire que ça joue bien quand tu ne te crées pas d'occasion, quand tu ne te montres pas dans le jeu. Et malheureusement, l'important dans le foot, c'est quand même les surfaces de vérité. C'est les deux surfaces de vérité. Et quand tu n'as pas d'occasion dans une et qu'une occasion suffit à l'adversaire pour en mettre une, tu te dis, bah, finalement, tu fais pas l'essentiel, quoi. Tu fais pas l'essentiel. Donc, cette première mi-temps m'a quand même laissé un goût amer. Et qu'on le veuille ou non, enfin, moi, j'étais pas hyper optimiste à l'entame de la deuxième, même si on sait que cette année, peut-être plus que les années précédentes, on bénéficie d'un banc de très bonne qualité, notamment offensivement, et que à tout moment, bah, ça peut sourire, quoi. Mais il y a toujours cette fébrilité défensive qui, pour moi, n'est pas que la défense, hein, mais il y a beaucoup d'espace dans cette équipe entre les lignes, à la perte de balles. Je trouve qu'il y a des boulevards à chaque fois, et moi, quand le ballon est à l'adversaire, je suis jamais serein. Moi, c'est ça qui me gêne toujours. Mais on va pas bouder son plaisir. 4-1, c'est un beau résultat, très favorable. Mais voilà, je ne sais pas si on a toujours des certitudes, quoi. Même si on reste sur 6 matchs en défaite ou 7 matchs, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est 7 matchs en défaite. C'est ça. 3 victoires en 4 matchs, donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Hormis la coupe. Oui, hormis la coupe. Mais je pourrais passer pour un. Il n'a toujours pas digéré. Ouais, bah, je pourrais passer pour un joueur, mais non. En fait, voilà, on a toujours cette fébrilité latente que je ressens et qui fait que je ne suis jamais serein, quoi. Bon, faut espérer qu'avec l'arrivée d'Elana, on va un petit peu se rassurer sur le plan défensif et collectivement, parce que comme tu le disais, c'est vrai que beaucoup pointent des joueurs de la défense, mais la défense, c'est aussi l'équipe, et peut-être que tout le monde ne fait pas les replis tels qu'ils devraient se faire, voilà. Ouais, franchement, j'ai du mal à pointer du doigt exactement ce qui va mal. Est-ce que c'est un manque d'effort, un problème de système, je sais pas. Ça, c'est une équipe, quand on n'a pas le ballon, je trouve qu'elle fait pas bloc. Tu vois, il y a ce côté-là où tu laisses pas d'espace. C'est boulevard land, quoi. C'est ce côté-là qui me gêne, quoi, un petit peu, quoi. T'as aussi ce ressenti, toi, Manu? Peut-être pas exactement quand même, parce que si on regarde le but, c'est une grosse. Enfin, c'est déjà, il faut quand même toujours dire, on a toujours tendance à dire, bah oui, forcément, c'est une erreur de nous, bien sûr. Bah, en fait, on peut quand même aussi souligner que le joueur adverse joue quand même très très bien le coup. Et bon, bah là, il prend Wasfan, bon, qui est peut-être un petit peu comme ça, immobile, enfin trop statique peut-être, mais bon, il n'empêche qu'il joue très bien le coup, et puis il met le face-à-face. Je rappelle, hier il y a eu deux face-à-face, ils ont été remportés, mais généralement les face-à-face, niveau statistique, c'est les gardiens qui les emportent, hein, 7 fois sur 10, donc non, voilà. Mais c'est, oui, ben c'est clair qu'on ne sent pas qu'on a une équipe solide, forcément. Il nous manque on a encore pris un but hier soir, et ça, c'est peut-être, c'est au jour d'aujourd'hui ce qui nous manque pour réellement rêver plus haut, je pense, parce que tant qu'on n'aura pas ça, ça va pas vraiment le faire totalement. Et un gars du staff hier soir me disait, voilà, ce côté clean sheet, là, ça nous manque réellement. Alors, on l'a fait une fois contre Anglet, encore une fois,
Bon, c'était toujours bon à prendre, mais c'est vrai que ça serait plus sympa. Ah, Nico a disparu. Ça serait plus sympa si on pouvait l'avoir face à des équipes plus huppées. Parce que hier, Angoulême, c'était vraiment une très très belle équipe. Et d'ailleurs, avec le ballon, c'était très très propre. Ça jouait bien. Ça jouait bien au ballon. Peut-être. Ils auraient peut-être pu accentuer ça parce que dès qu'ils avaient le ballon, ils savaient quoi en faire et ils nous mettaient en difficulté. Et donc, le fait de gagner 4-1, pour le coup, hier, face à cette belle équipe, c'est bon à prendre. Et voilà. Mais non, pour rester sur la question, oui, effectivement. Je ne le dirais pas exactement comme le G, mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. En tout cas, c'est ce qui nous manque pour réellement, pour moi, viser très haut. Là, on peut viser haut, et pour viser trop haut, il faudra plus. Après, c'est vrai que beaucoup disent dès lors que l'on marque un but de plus que l'adversaire, ça suffit. Mais quand on voit la solidité de certaines équipes du championnat, et pas forcément des équipes qui sont devant nous, hein, puisque faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs équipes à 13 points, dont les trois clubs varois. Voilà, on est pas mal à être à 2 points de la première place de Grasse, qui est allé faire match nul à Jura Sud hier soir dans un 3-3. Donc voilà, et c'est vrai que c'est moi, je suis mitigé. C'est vrai que lorsque l'on repense aux défenses toulonnaises qui ont fait les grandes heures, même en championnat amateur du Sporting, on peut se dire qu'on est en dessous. Mais bon, tant que pour l'heure, ça gagne, ou en tout cas, c'est bien placé, il n'y a pas trop. Enfin, moi, je me fais guère de soucis par rapport à ça. Non, moi, je suis... Ça sera juste un point à améliorer forcément, et ça, ils en sont conscients, hein, tout le monde, le staff, les joueurs. Mais par contre, après, on peut pas bouder son plaisir. Enfin, gagner 4-1 et 1-0 en étant solide et pas. Ah, enfin, moi hier, il y a eu plein de choses qui rejaillissent de suite quand tu gagnes de cette manière-là. Dans les sourires, dans les conversations, enfin de suite ça donne une dynamique. Après le match, là, je voyais des enfants, là, ils étaient tout fous. Enfin, ça tu l'as pas quand t'as perdu ou quand t'as fait match nul ou quand c'était un match de merde. Hier, faut pas bouder son plaisir. Hein. On a cité un super match. Moi, bon, contrairement malgré tout à Jérôme, moi j'ai apprécié cette première mi-temps. Elle a été vraiment dure à encaisser de perdre, parce que bon, oui, d'accord, et puis c'est le foot, hein, c'est ingrat, on le sait. On dit qu'on n'a pas eu d'occasion, on a quand même eu des situations qui sont jouées à pas grand-chose. Eux ont vraiment eu qu'une occasion à la mettre au fond. Bon, très bien, c'est le foot, hein, j'ai pas de problème avec ça. Hein, ça c'est comme ça, mais c'est pour dire que bon, malgré tout, il y avait l'intensité, il y avait du jeu, c'était vivant, ça allait de l'avant, c'était vraiment pour moi une première mi-temps aboutie. Et c'est vrai que quand il y a eu ce but de Raymond, on va y revenir, hein, sur le ouais, coup, je voulais revenir, ouais. Le moment. Ah bon, il y avait ce soulagement de rétablir un peu une injustice, parce que franchement, à ce moment-là, perdre, c'était quand même dur à avaler. Et parce que la prestation, elle était belle après, parce que quand on le répète assez ici, et on l'a répété assez pendant plusieurs années, là, quand on se faisait chier, que c'était pas beau, que c'était. Et c'était vrai. Bon, hier, c'était. Moi, malgré le fait qu'on perdait, d'ailleurs, ça s'est senti dans les tribunes, les gens, ils étaient. Voilà, ils étaient déçus, mais ils ont pas. J'ai pas entendu de coups de sifflet de venant de tribune ou d'insultes ou quoi, parce que quelque part, je pense que le sentiment était un peu le même pour tout le monde. On pouvait rien reprocher à l'équipe. Elle perdait, mais ma foi, elle avait fait sa mi-temps et après ça s'est rentré dans l'ordre. Vas-y. Je vais hyper d'accord. Un truc déjà sur la première mi-temps. Jusqu'au but, on joue bien. Après le but, dès qu'on prend le but. Franchement, l'équipe, je trouve que justement en termes de réaction, elle s'affaisse, on recule alors qu'on est mené. Et je trouve que mentalement, on a pris un sale coup et ça a été une des déceptions de ma part. C'est que j'aurais été vraiment une réaction d'orgueil assez. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toujours pareil, hein, au ballon, souvent, dès que tu prends un pion, ça tergiverse, le mental, il s'effondre. Mais j'aurais aimé justement une réaction, une preuve de caractère. Mais bon, après, jusqu'à la mi-temps, je trouve que justement, ça s'est
ça tournait plus comme en début de mi-temps. Et par contre, ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est des gars que je rencontrais par rapport à ce que tu disais. C'est une remarque, c'est réel. Hein. À la mi-temps, ça a pas sifflé. Mais en effet, moi, le collègue avec qui j'étais, je me regarde, même quand t'es mené aujourd'hui, il n'y a même plus de réaction. Quoi. Tout le monde s'en fout. Quoi. Tu vois, t'avais plutôt cet a priori-là de sa part. Donc je sais pas laquelle est la bonne, est-ce que c'est la sienne ou la tienne. Mais c'était plutôt. Enfin, les gens sont finalement menés ou pas. C'est devenu anecdotique aujourd'hui, vu que. On connaît le passé, quoi. On sait le mal qui a été fait par le patron du club et peut-être que les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, même quand on est mené au score à la mi-temps, c'est pas grave, quoi. Tu vois, on s'en fout, quoi. Oui. Non, mais parce que les deux sont pas opposés, je pense que. Bien sûr, il y a de ça, mais quand même, si ça avait été vraiment, si on avait été mené, qu'on avait été dégueulasse, je suis persuadé que malgré tout, il y aurait eu quand même des réactions. Et là, il y en a pas eu parce que j'ai senti que les gens étaient bon, ils avaient rien à reprocher à l'équipe, mais après, voilà. Après, est-ce que c'est de cet ordre-là ou est-ce que c'est aussi parce que le COP pardon, rendait aussi hommage à Doumé qui nous a quittés il y a quelques jours et que du coup, il n'y a pas eu de, comment dire, de signe de joie ou de choses comme ça. On peut aussi se poser cette question-là. Toujours est-il que moi, je voulais revenir aussi sur effectivement le coaching gagnant et les entrées de Raymond et Alioui, Raymond qui fait passe D, enfin qui fait but, puis passe D ensuite. Voilà, donc coaching gagnant de Momo et avec une entrée fort efficace d'Alioui qui, dès son premier match, marque son premier but. Jérôme ? Bah ouais, sur le coaching gagnant, c'est une évidence, hein, de toute façon. Les rentrants sont hyper décisifs. Moi, je trouve que le but de Raymond sur le centre de Diallo, c'est un petit peu ce qui devrait, je sais pas, je donne pas de conseils, tu vois, mais ce qui devrait un petit peu intéresser notre staff, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je suis désolé, hein, moi, je suis emmerdé parce que malgré la victoire, il y a plein de trucs qui m'ont pas trop plu et notre jeu stéréotypé, comme les années précédentes, c'est-à-dire hyper dépendant de Diallo, pendant une mi-temps, ça servait à rien parce qu'en fait, le mec, il surmarquait. Les mecs, ils savent très bien quel est le danger dans notre équipe. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se serve de ça pour que d'autres joueurs brillent. Et c'est ce qui se passe finalement quand Raymond rentre. C'est-à-dire, c'est Diallo qui centre pour Raymond, tu vois. Et finalement, c'est un petit peu à cette image-là que j'aimerais bien qu'on profite du travail de Diallo, mais autrement qu'en le cherchant systématiquement alors qu'il est marqué par 25 mecs. Sauf, chose qui n'empêche pas forcément de marquer. Il a scoré, il est le meilleur buteur du championnat. Mais je trouve que, enfin, c'est juste, on joue pour lui et je trouve que c'est pas, enfin, ce serait bien de diversifier un peu tout ça, tu vois. Et la victoire d'hier, finalement, si tu regardes, c'est pas des contres, mais il y a quelques contres sur les buts qu'on marque. C'est pas que des, enfin, c'est pas que de la construction. C'est pas notre style. Comment je n'arrive pas à m'expliquer aujourd'hui, j'avoue. Les buts qu'on marque, celui de Raymond, c'est après une belle phase de jeu. Mais par exemple, le but de Diatta, c'est un contre. Je sais pas, moi, je garde un goût amer malgré la victoire qui est éclatante, je suis d'accord, mais je trouve que y a plein de, c'est tellement perfectible, j'ai besoin de garanties, j'ai besoin de certitudes que j'ai pas eues et qui fait que je crois pas encore aujourd'hui qu'on sera capable de jouer à la montée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, parce que de toute façon, les certitudes, ça, tu veux te faire plaisir, mais les certitudes, t'en auras jamais, hein, jamais. T'en auras jamais. Et le jour où tu en as, c'est là où tu seras en danger, parce que avoir des certitudes en football, déjà, ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qui se construit sur des années. Nous, on voit bien, on n'a pas de projet, hein, on pourrait faire une émission sur ça, le club, etc. Donc, ouais, on aime bien se dire, je vais avoir des certitudes, mais bon, les certitudes, surtout dans ce championnat, elles peuvent vite voler en éclats. Hein. Tu vois, tu es tout bien et tout, et puis tu reçois une équipe qui est en fond de classement, et puis qui va tenter de jouer grandement sa chance, qui va te planter un contre et qui va remporter les trois points. Et c'est comme ça, dans ce championnat qui est très difficile. Alors oui, après, je vois ce que tu veux dire, certitude, c'est je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent en avoir. Moi, j'en vois une, voire deux. Moi, je vois Grasse qui peut avoir des certitudes dans le sens où, voilà, elle a construit son ADN, son identité tout a été calculé avec, ils ont une vraie politique, une vraie vision des choses. Ils savent
savent où aller, comment y aller et où ils veulent aller. Mais nous, on n'est pas là. On est en construction à chaque fois. Et puis là justement, on est encore dans un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur. On va atterrir gentiment au mois de novembre. Là, c'est pas avec 2-3 mois de compétition qu'on va en avoir. Je pense que c'est il faut voir ça étape par étape. On prend du plaisir, c'est pas rien. On gagne, c'est pas non plus rien contre une, je pense, belle équipe. Il faut savoir le souligner. Je sais pas si elle va finir spécialement en haut cette équipe, mais elle avait vraiment de belles qualités. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut pas être trop. Il faut pas bouder son plaisir, c'est ça que tu es en train de dire. Il faut pas bouder son plaisir et surtout de là où on vient. Enfin, on vient de 3 années de merde. Hein. Enfin, voilà, y a pas d'autre mot. À chaque fois pour des raisons différentes, mais moi, j'ai jamais été trop emballé, même pas du tout emballé les années précédentes. Et bon, voilà. Mais c'est pas que moi qui le dis. Enfin, je vois plein de commentaires sur Facebook, dans le stade, qui le disent que bon, cette année, on trouve les gens se régalent plus, il y a plus de jeux, ils y trouvent plus leur compte. Donc, et c'est vrai que je le constate comme eux. Hein, donc il faut savoir prendre le bon, et puis je pense qu'on est quand même lucide sur ce qui manque à cette équipe, mais ce qui manque, c'est peut-être logique aussi. On est quand même relativement chatoyant à regarder, on plante pas mal, hein. J'ai pas regardé au niveau attaque, mais on doit être dans les 2-3 meilleurs, hein, deuxième meilleure attaque. Bon, voilà. C'est sûr que si on était deuxième défense, on serait plus haut. Mais bon, on sait très bien qu'on repart sur un nouveau cycle, donc c'est difficile d'avoir tout. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre ça en perspective. Hein. Je comprends Jérôme, mais il faut pas qu'il aille trop loin dans ça. Non, mais c'est de l'impatience, je pense. Et comme tu dis, ce dont on manque, c'est du temps aussi. Je pense qu'avec le temps, ça pourra se soigner entre guillemets, mais. Je sais pas, ouais. Après, on part du principe de base qu'on devrait pas d'être là où on est. Tu vois ce que je veux dire? L'impatience, pour moi, c'est bon signe quelque part. C'est le fait que t'as de l'espoir, que ça doit aller vite et qu'on doit remonter le plus vite possible. Bon, là. Après, encore une fois, monter avec un château de cartes sous les pieds. Je sais pas si c'est la bonne chose. C'est pour ça que je rejoins un peu Manu lorsqu'il évoque Grasse, quand tu vois le projet, qu'il y a la perspective, la prospective. Tu te dis que tu as des clubs qui semblent plus prêts que d'autres. Voilà. Ouais, et je pense que le Sporting, je suis pas convaincu qu'il soit prêt. Et je suis pas convaincu non plus que s'il montait, on arrivera à faire mieux que ce que peuvent faire aujourd'hui des clubs qui ont connu le national comme Marignane dernièrement et qui aujourd'hui en descendant est en bas du classement, tu vois. Voilà, quand tu as des clubs qui sont pas suffisamment costauds, qui ont pas une réelle vision globale de club et pas uniquement d'équipe une, voilà, je pense qu'il faut d'abord construire avant d'envisager de monter. Après, si le Sporting monte et me fait mentir, tant mieux, mais bon. Chaud des crêpes, l'eau froide, on a vu ce que ça a donné en 2019-2020. Donc voilà, moi je préfère me dire qu'on voit des buts, qu'il se passe des choses en termes de jeu. Puis voilà, après, moi j'attends plus rien, je l'ai déjà dit 50 fois. Voilà, tant qu'on n'aura pas prouvé par A plus B que le Sporting est un vrai club avec un vrai projet club, voilà. Je regarderai et je commenterai sans plus. Voilà. Bon, pour revenir au match, je voulais, évidemment, et je l'ai dit, évoquer le coaching gagnant et les entrées de Raymond, Louis, tout ça. Manu, si tu veux en parler, donner ton point de vue par rapport à ça, puisque tu nous as envoyé un message hier soir en nous disant coaching gagnant de Momo, effectivement, on peut le saluer. Oui, c'était un peu le d'ordre après le match, évidemment, hein, ce coaching, il a été
Il a été assez impressionnant. Bon, voilà, il a été un peu touché par la grâce. Ça ne sera pas toujours comme ça. Hein. Il aura D'ailleurs, il a déjà commis quelques erreurs. Bon, ça fait partie, c'est normal. Il n'y a pas de sujet sur ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'hier soir, ça, les rentrées conjuguées des deux, là, Raymond et Alioui. Et d'ailleurs, Alioui. Bon, parce que hier, j'ai retrouvé une vieille connaissance qu'on avait invitée à l'émission, que j'avais interviewé, c'est là où j'avais sympathisé avec lui, Jason Willock. Willock. Qui était en charnière centrale, là, et puis il me disait, Alioui sur le but, il a impressionné, parce que il m'a dit, le contrôle qu'il fait, il est incroyable. Et puis bon, il a juste le gardien, voilà, petit filet. Enfin, pour lui, c'était quand même grande classe et c'était grande classe. Mais lui, il était aux premières loges pour le juger. Mais et d'autant plus qu'on voit bien qu'il part de loin. On voit, il y a plein de trucs hein, où il est encore un peu pâteau, où il fait des petites erreurs et tout. Mais il y a plein de trucs où on voit où il joue juste, il voit le jeu, et il voit avant les autres, il sait quoi faire, etc. Et c'est vrai que c'est un joueur, tu te dis, s'il prend bien ses marques, là déjà ce but, je pense que ça va évidemment lui faire du bien, lui donner confiance. Et quand il va être réellement voilà, dans le bon en ayant plus de temps de jeu, tout simplement. Ouais, parce qu'il a plus joué depuis plusieurs mois, hein, plus d'un an. Si on retrouve vraiment toutes ses facultés, là, ça risque d'être un joueur très 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 intéressant. Et en tout cas, hier soir, ne serait-ce que sur le but, il a prouvé que c'était un sacré joueur. Un joueur qui mine de rien, sans faire de bruit, fait ses matchs, c'est Diatta. Ouais, Diatta, hein, Diatta. Il a crevé l'écran encore hier. Mais il reste sur ce but-là, hier. Hein. Ça aussi, je ne m'en suis pas remis de ce but, sincèrement. Parce que marquer sur coup franc, hein, que ce soit nous ou les adversaires, on voit bien, c'est quand même très rare à ce niveau. Donc, quand ça arrive, moi, hier, hein, son but, il m'a fait vraiment plaisir. Parce que j'aime bien quand on marque sur coup franc. Hein, Moulet, Amiri, ouais, il n'y en a pas beaucoup, on peut les citer hein, sur les dernières années. Donc, et puis là, hier, c'est vrai qu'il a été, très bon et ça me permet de penser à souligner le fait que Rivière, je trouve, qui est tout à fait dans une courbe inverse. Il a commencé, je trouve, au championnat très fort. Et puis là, je trouve qu'il rentre un peu dans le rang, Rivière, sans dire qu'il a été mauvais, mais. C'est pas le. Je pense qu'il peut faire beaucoup et il y a un peu des courbes inverses. Bon, tant qu'il y en a un qui surnage, ça sera déjà bien. C'est le top étant que les deux soient au diapason, mais bon, il faut au moins qu'il y en ait un qui porte un peu comme ça l'équipe. Et hier, Diatta a fait un gros match. Ouais, et puis ça me permet aussi d'évoquer les départs à venir. De Radojevic et Boufrizi, c'est bien ça. Ouais. Si je ne me trompe pas au niveau du enfin, si je n'écorche pas le nom du second. Voilà, je suis un peu étonné pour Radojevic. Moi, c'est un joueur, je l'avais déjà dit qui m'a toujours plu et du mal à comprendre qu'au milieu, on puisse faire partir ce joueur-là. Alors, je connais pas les raisons, mais. Ça met les deux, mais moi les deux. Enfin moi, excusez-moi, hein, mais un joueur qui a marqué 17 buts en 18 matchs en National 3, moi j'estime qu'on doit lui donner sa chance. On lui a pas donné sa chance. Il a joué une demi-heure et 5 minutes, deux fois 5 minutes. Bon, en l'occurrence, la demi-heure qu'il fait, moi, elle m'avait bien plu. Hein, je crois que c'était contre Marignane. Donc lui, je comprends pas. Bon, il va être remplacé, on peut le dire, par Christophe Gomis, qu'on a aperçu hier. Et on m'a confirmé qu'il va signer en compagnie d'Elana. Ouais, tout à fait. C'est un défenseur axial. Moi, j'aime bien ça. Axial, et qui peut jouer à gauche, d'après ce que j'ai compris. Bon, enfin voilà, mais je comprends pas. Je comprends pas ces deux joueurs-là devaient pouvoir rester.
quand je vois, bon, il y a Bayo Gomis qui sont rentrés hier, il aurait pu rentrer Dajovic, ça faisait pas de mal. Et puis encore une fois, Boufrizi, bon voilà, on a pris Alioui, c'est très bien, ça a l'air d'être un joueur de grande qualité, mais c'était un joueur qui, pour moi, il faisait partie intégrante du projet et qui avait les qualités pour. Bon, et on leur a pas donné sa chance, et ça je regrette vraiment parce que je croyais beaucoup à ce joueur et non, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et on verra si ça a été judicieux comme décision ou pas. Semaine prochaine, c'est Coupe de France. Alors moi, j'irai supporter Sifor-le-Brusque, bien évidemment. Mais c'est tout ça pour annoncer finalement que dans 15 jours, c'est le derby à l'Étoile. Étoile, ouais. Sporting sur la nouvelle belle pelouse. Ben apparemment non. Hein. Ah bon? Non, apparemment justement ils ont du retard, de ce que j'ai compris. Et apparemment ils voulaient permuter le match à Toulon. D'accord. Ah bon? Parce que pour l'instant, au niveau de la FFF, c'est toujours annoncé au stade Guy David de l'Étoile. Oui, ça a été refusé, t'as dit? Pardon? Oui, apparemment, ils voulaient... Intervertir. Donc, avertir, parce que justement, apparemment, le terrain n'est pas prêt. Il joue sur le terrain, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez vu les images, ça n'a pas l'air terrible, là où ils jouent actuellement, et il n'y a pas de tribune, ou en tout cas, il n'y en a qu'une. Enfin, c'est, je ne connais pas ce stade, c'est pas très chouette, et on risque de jouer sur ce stade, si j'ai bien compris. Bon, après, il y a tellement de... Et puis, ça peut évoluer en 15 jours, je ne sais rien. Je ne vais pas annoncer des choses que je ne connais pas bien, mais bon, en tout cas, le match, le stade, au moment où on se parle, il n'y a pas de... Et il ne serait pas prêt, ouais. Alors, bon, après, on peut aussi parier que les autorités demanderont proposeront une interdiction de déplacement des supporters toulonnais, comme tous les ans, dans ce match à haut risque. Qui est le derby Étoile Sporting. Ça me fait rire, vraiment, c'est très drôle. Ouais, Jérôme, un petit mot sur ce derby entre deux équipes qui finalement ont le même nombre de points. Allez, on sait que... Pardon ? Trois clubs varois se tiennent en ce moment. Oui, oui, oui. Mais là, pour revenir à l'Étoile, voilà, même nombre de points que le Sporting. Un club d'Étoile qui est un petit peu moins costaud que les autres années défensivement, mais qui, pour le coup, marque des buts. Ouais, bah écoute, si on va là-bas comme prévu, ce sera. Enfin, à ce moment, dans les débuts de saison, t'as l'impression que chaque match est un tournant tellement les équipes se tiennent, donc ce sera vraiment l'occasion au moins de conserver notre invincibilité. Ce serait important quand même, surtout dans un derby, surtout qu'a priori Fréjus en ce moment n'est pas très pote, donc tant qu'à faire. Il paraît. Ouais, de toute façon, il va falloir quelques matchs avant de savoir où on en est. Moi, les équipes adverses, je m'en fous un peu, je regarde mon équipe et chaque match, je m'en apprends davantage. Enfin, j'espère en apprendre davantage à chaque match. Pour l'instant, c'est pas toujours le cas, mais voilà, j'espère qu'on gagnera en efficacité défensive, tout en maintenant notre efficacité offensive. Voilà, qu'est-ce que tu dis? Sinon, j'aimerais bien qu'on parle Keshmar aussi. Tu parlais de Ascendant. Ouais, vas-y. Keshmar, vas-y, pour finir, on peut évoquer Keshmar. Ouais, je voulais bien parler. C'est vachement bien. Et puis moi, c'est con, hein, mais aujourd'hui, les latéraux, souvent, c'est des joueurs très offensifs. Bon, c'est un mec qui attaque aussi. Hein, faut pas non plus dire que c'est qu'un défenseur. Le cantonné, ouais. Mais j'aime bien aussi quand même ces défenseurs où t'as une sorte d'assise, t'as la sensation que c'est solide, quoi, tu vois. Il y a de la sérénité, ouais. Il n'a pas son pendant à droite pour l'instant, Silva, c'est pas du tout le même style et je suis moins fan, notamment défensivement, quoi. Mais Keshmar aussi, après un début de saison compliqué, je trouve qu'il commence à s'affirmer largement, ouais. Ouais, je voulais le souligner, et c'est ce que je me suis dit en tribune. Hein. Il s'est bien remis en selle parce qu'il partait de loin, hein. Il partait de très très loin même. On ne peut pas partir de plus loin que d'où il est parti, en fait. Et puis, non, là, hier, il fait un peu à l'ancienne, des tacles à l'ancienne, des tacles devant le mur, là, qu'on fait de suite. Non, on fait ça quasiment comme si c'était un but. Ça plaît beaucoup. Et non, j'ai bien aimé. Alors,
Je pense qu'il peut être encore bien meilleur, mais là, déjà, là, il atteint déjà un niveau plus qu'acceptable. Et oui, là, ça fait partie des bonnes surprises, parce que c'était pas un joueur... Enfin, j'avais très peur, personnellement, que ça soit un vrai flop. Et c'est vrai que petit à petit, il va de mieux en mieux. Et hier, il sort une belle copie, ouais. Messieurs, un dernier mot avant de se quitter, ou on peut clore Non. Moi, c'était là où je saurais un peu comme Jérôme, qui a toujours ce côté un peu ichouine, quoi. Bon, voilà. Il faut l'apprécier, mais il faut vite l'évacuer, parce que voilà, hier c'était. On n'a pas le temps de. Bon, je ne vais pas dire le terme, hein, on n'a pas le temps pour ça. D'autant moins que bon, là, c'est pas avec la Coupe de France non plus qu'on va se régaler. Donc, mais niveau championnat, il faut déjà basculer sur autre chose, et il y a un match très dur qui nous attend. Bon, généralement, dans ce genre de match, c'est des matchs plutôt normalement fermés. C'est quand même l'équipe qui a le plus d'assises défensives qui rapporte la mise. Je suis donc un petit peu inquiet en allant à Fréjus par rapport à notre défense. Mais écoutez, on verra bien comment ça se passe. Si on compense par notre attaque, ça peut le faire. Mais je ne suis pas forcément très, très optimiste pour le match à Fréjus, pour le coup. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi, je tiens à remercier le Sporting, grâce à qui désormais on a un week-end sur deux de libre, donc ça c'est cool. Ça permet d'aller voir d'autres équipes, et entre autres, je le redis, moi je serai à Cifourde la semaine prochaine. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci Jérôme et Manu. On se retrouve dans 15 jours pour débriefer le match face à l'Étoile, le derby de tous les dangers. Allez, salut.